Bonjour à tous, donc suite à ma dernière vidéo sur mon panneau de contrôle, j'ai eu quelques commentaires voulant voir l'intérieur de ce panneau. Donc aujourd'hui, je vais vous décrire plus en détail mon panneau de contrôle. On va l'ouvrir pour que vous puissiez voir le circuit et je vais expliquer plus en détail comment j'ai fait mon montage et ma programmation. Donc mon panneau de contrôle, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, on va commencer par l'ouvrir, enlever les quatre vis qui se retrouvent dans chaque coin pour que vous puissiez voir plus précisément qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur. Donc, et voilà. Donc, il y a beaucoup de fils, évidemment. Je vais retirer, par exemple, un fil ici. Ça se retrouve à être l'antenne. Ça, c'est ici, c'est l'antenne qui se retrouve plus haut dans mon mur. Donc, pour avoir un meilleur signal. Je vais aussi retirer l'alimentation pour qu'on puisse plus précisément voir. Comme ça, ici, l'écran est éteint. On va mieux voir le circuit. Je vais vraiment tout enlever les fils un par un. On a un autre fil ici qui sert pour les capteurs aussi en I2C, donc les capteurs de température, de pression et tous les autres capteurs. Donc ces capteurs-là se retrouvent aussi plus haut. En fait, ils se retrouvent même dans le plafond, puisque j'ai pas un plafond fermé. Donc comme ça, on a vraiment les vraies températures de la pièce, les vraies pressions, les vrais capteurs d'humidité captent vraiment les vrais paramètres de mon environnement. Donc ça ici, c'est fait. Ici, en fait, j'ai aussi un module complet avec des relais de type read, donc des relais électriques et non mécaniques. Donc ce que ça fait, c'est que j'active mes haut-parleurs par exemple pour ma musique de façon électronique et non mécanique. Donc j'entends pas de petits claquements lorsque je veux ouvrir mes haut-parleurs. Donc ça, c'est un autre module séparément aussi qui va à mon ampli que je vais vous montrer un peu plus tard. Et par la suite, on a ça ici, c'est un... Ça, c'est pour les 5 boutons qui se retrouvent sur mon panneau. Ensuite, j'ai d'autres petits fils pour l'alimentation, tout simplement, et pour gérer d'autres choses. Donc, tout le module se retire assez facilement, comme vous voyez présentement ici. Donc, c'est vraiment, je l'ai fait le plus modulable possible. C'est-à-dire que si j'ai une pièce à changer, je peux retirer le circuit, comme ça ici. Ça, c'est mon circuit complet. Et de ma plaque, si je veux changer, par exemple, l'écran LCD, c'est très, très facile à le changer. C'est tout simplement un fil comme ça avec pour les boutons qui se retrouvent sur le dessus et l'écran LCD qui vient se connecter sur le connecteur 16 pins juste ici. Très, très simplement. Donc, ça s'enlève super facilement. Et par la suite, on a simplement à retirer l'alimentation qui est vissée sur des connecteurs ici. Donc, c'est une alimentation 12 volts qui rentre sur un régulateur de tension que j'ai mis sur un dissipateur de chaleur pour qu'il puisse dissiper sa chaleur assez facilement, qui est aussi branché sur un ventilateur pour faciliter le traitement de la chaleur. Donc, une fois qu'on a retiré tout ça, on obtient le circuit final, donc comme ça ici, tout le circuit fonctionnel. Donc si je veux le remettre dans mon panneau de contrôle, j'ai simplement à remettre les fils au bon endroit sur les connecteurs. Par exemple ici, ici, j'ai vraiment fait modulable. Donc je vais détailler un peu plus tard le circuit puisqu'il est assez complexe. Il y a beaucoup de parties à décrire sur le circuit. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc on a aussi, ça c'est mon circuit. Mon autre petit circuit avec deux relais read, de type read, deux transistors pour simplement activer ces deux relais-là pour les deux sorties audio que j'ai parlé un peu plus dans la vidéo précédente. Donc, j'ai un haut-parleur qui va se brancher ici, un autre haut-parleur là. Donc, on peut activer les deux sorties voulues selon notre désir. Donc, il y a beaucoup de fils. Je vais essayer de retirer ici. On peut voir facilement le gros dissipateur de chaleur avec, j'ai mis un ampli audio. Donc, le transistor, l'ampli en fait qui sert à faire augmenter le volume est ici. Il y a aussi un régulateur de tension 7805 juste au bout. Juste au bout ici. Ici, ça c'est l'ampli audio sur un gros dissipateur de chaleur de CPU d'une ancienne carte mère d'ordinateur. J'ai même gardé
le ventilateur qui est derrière. Donc, ça fonctionne super bien. Donc, il rentre tout juste dans mon mur. Ça fait super bien l'affaire. Comme ici, juste ici, c'est ma lumière automatique que vous pouvez voir dans une ancienne vidéo aussi. Donc, ça fait beaucoup de fils, mais chaque fil a sa connexion particulière, donc qui va se brancher directement au circuit. Comme j'ai parlé un peu plus tôt, ça ici, c'est l'antenne pour la radio. Puisque la radio, il faut que l'antenne se retrouve le plus haut possible. Et comme un atelier se retrouve au sous-sol, le fil se rend jusqu'à l'extérieur pour avoir une meilleure réception radio. Donc, une fois qu'on a tout démonté le module, on se retrouve avec la carte principale, ce que j'appelle plutôt la carte mère, avec le petit module pour choisir les haut-parleurs et finalement le panneau de contrôle qui est tout simplement, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec le câble pour les 5 boutons. Et les résistances de pull-up sont même intégrées au bouton ici. On a l'écran LCD ici avec le connecteur 16 pins pour aller connecter ici sur la carte mère. Donc vraiment, tout est modulable. Maintenant, je vais me concentrer plus précisément sur la carte mère pour que vous puissiez voir plus précisément comment elle est faite, comment elle est composée. Et comme ça, je vais pouvoir mieux vous la décrire et vous allez mieux comprendre son fonctionnement. Donc, on va commencer tout simplement par... quel processeur j'ai utilisé? C'est un processeur un peu plus puissant que les PIC16F. C'est un PIC18F 4455. Donc, beaucoup plus de mémoire, beaucoup plus rapide de traitement et beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, premièrement, il fonctionne avec un cristal de 20 MHz. J'aurais pu augmenter jusqu'à 48 MHz, mais 20 MHz, c'était amplement pour simplement contrôler un écran LCD et quelques circuits I2C. Donc, par la suite, j'ai, comme je vous l'ai dit plus tôt ici, j'ai mon connecteur 16 pins pour mon écran LCD. J'ai le trim pot, donc une résistance variable de 10 kΩ pour varier le contraste de l'écran LCD. Par la suite, ça ici, c'est un circuit d'horloge. Donc, c'est le fameux DS1307 qui fait une horloge en temps réel qui est communiquée en I2C, tout simplement. Ça ici, c'est le module de radio. Donc, c'est un petit module que je me suis procuré. Je vais mettre le lien dans la description et sur mon site internet pour vous le procurer. C'est un petit module tout simplement qui a une entrée radio et une sortie haut-parleur qui se contrôle en I2C et que vous puissiez choisir le poste de radio que vous voulez et vous puissiez entendre clairement la radio que vous voulez. Par la suite, ici, j'ai mis 3 relais électriques, un peu comme c'est les mêmes que celui-là ici, qui ont d'autres fonctions en fait. Pour contrôler les différents systèmes Bluetooth ou autres. Donc, c'est des relais que je recommande fortement puisqu'ils fonctionnent sous 5 volts. Et lorsqu'on les active, contrairement à des relais mécaniques, comme on est habitué de voir, par exemple, ceux-là ici, comme ça ici, des relais mécaniques comme ça ici, ils font du bruit. Tandis que ceux-là ici, ils font aucun bruit. Ils sont très, ils font parfaitement l'affaire pour un type de projet comme celui-ci. Par la suite, j'ai mes deux alimentations ici. Donc, l'alimentation de 12 volts rentre par le bas ici et l'alimentation 5 volts par ici. Donc, ces deux alimentations-là proviennent de mon régulateur de tension que vous avez vu sur le dissipateur de chaleur un peu plus tôt. Donc, l'alimentation rentre ici. J'ai des condensateurs pour stabiliser l'alimentation. Tout le système fonctionne sous 0,5 volts. Donc, ça facilite beaucoup la tâche, sauf l'ampli audio en fait qui fonctionne sur 0,12 volts. Et la sortie 0,12 volts se fait sur le connecteur juste ici. Les autres connecteurs servent à différentes choses. Comme par exemple ici, c'est le connecteur pour reprogrammer le microcontrôleur PIC en ICSP. Donc, par exemple, si je fais une modification, je peux reprogrammer le PIC en tout temps. C'est très, très simplement. On a une batterie ici pour DS1307, donc pour garder le temps si on a une coupure de courant. Et c'est principalement... le circuit complet, donc si vous voyez de l'extérieur, l'autre côté, donc j'ai principalement toutes faites mes traces à l'étain, quelques fils pour, puisque je ne pouvais pas faire toutes les traces à l'étain, donc quelques fils pour passer par-dessus, mais sinon le circuit est assez, il semble assez simple, mais relativement complexe puisqu'il y a beaucoup de composants qui interagissent entre eux autres. Pour l'autre petit circuit, c'est tout simplement un petit circuit, comme j'ai présenté tout à l'heure. On a deux résistances avec deux transistors NPN pour contrôler deux relais électriques, donc des read relays. Donc, c'est des relais comme ceux-là. Et donc, ceux-là, ils servent un pour un haut-parleur et l'autre pour l'autre haut-parleur. Donc, comme ça, je peux activer ou non le haut-parleur de mon choix.
Donc, c'était principalement ma carte mère. Donc, vous avez vu et mieux compris comment fonctionnait mon panneau de contrôle. Si vous voulez avoir les schémas, sont sur mon site internet. Et pour plus de détails, allez aussi sur mon site internet pbelectronique.com. Donc, pour tous les détails de mon panneau de contrôle, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Tous les détails sont disponibles sur mon site. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.